La société d'Ancien Régime. Alors, je vous ai distribué des caricatures concernant la société d'Ancien Régime. À l'aide de ces caricatures, vous allez me retrouver les différents composants de la société d'Ancien Régime afin d'être capable de compléter la pyramide sociale que je vous ai. Oui, bah, et alors, mademoiselle, c'est à cette heure-ci qu'on arrive. Fini à l'étude, au revoir. Alors, les classes sociales, tu te calmes un petit peu dans le fond. Ouais, ça va. Oui, ben merci. Alors, les différentes composantes de cette société d'Ancien Régime trouvées, vous allez essayer, avec les documents que je suis en train de vous distribuer, de me retrouver leurs grandes caractéristiques. C'est-à-dire, les paysans, dans quelles conditions vivent-ils? La noblesse, quel rapport exerce-t-elle sur ce monde paysan? Le clergé, quel est son rôle dans la société? Donc vous allez lire attentivement ces textes et essayer de me retrouver tout ça. Donc vous prenez sur votre feuille de cours, donc à la suite de la pyramide, les grandes classes sociales. Tiers état, clergé, noblesse, quel rapport entretiennent-ils? Oui, madame. Le clergé, c'est genre les prêtres, les évêques et tout? Voilà, exactement. Donc les curés de campagne, les membres du clergé, les évêques, les cardinaux. Donc le bas clergé, les curés de campagne, le paroisse, ou alors le haut clergé, les évêques et les cardinaux, la hiérarchie ecclésiastique. Nous, le haut clergé, bas clergé, les curés de campagne, les prêtres de paroisse, en fait, ça c'est les membres du bas clergé. Bien, allez, l'heure a été courte, vous pouvez vous aller vos affaires. À la prochaine fois. Alors faites attention quand même que j'essaie de faire un contrôle sur cette matière la semaine prochaine, donc après notre heure suivante. Merci pour le péché, Eric. Il y aura peut-être un contrôle la semaine prochaine. Putain, on a quoi, l'eau? Qu'est-ce que tu racontes, ça? Ouais, ouais. Henri?